Et salut à tous, c'est Hisoka, et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour les invocations sur Majin Vegeta. On a déjà invoqué sur la version Jap, vous retrouverez la vidéo bouton i en à droite. On est en live et là vous voyez le chat juste en dessous de moi, les gars ils sont en train de vous faire coucou. Bon, s'il y a un mec qui parle mal ou s'il y a un mec qui lâche des insultes, vous me le dites en commentaire, on va lui briser les tibias. Voilà. Ceci étant dit, vous le savez, Majin Vegeta c'est mon personnage préféré. Vous savez que mon perso préféré c'est Vegeta. Ma forme préférée de Majin, de Vegeta, c'est Majin. Les animations sont incroyables, le perso est super fort. L'active skill est magnifique en plus d'être super fort. Donc, on va aller le chercher. Le portail est éclaté au sol, donc ça aurait été un autre personnage, je n'aurais jamais invoqué dessus. Il ne me manque aucun personnage à part les deux nouveaux. On va aller voir le détecteur. Le détecteur est frauduleux. Évidemment, il n'y a pas de cycle soldé. Ils en ont mis sur Trunks parce qu'ils savaient que le personnage puait la merde. Mais là, frérot, voilà. T'as un lead 200%. La carte est increvable en Battle Road. Largement meilleure que Gohan Ultimate Tech. Je pose les termes. Et donc, voilà, je vais pas débattre plus longtemps que ça. On veut le Majin. C'est pour ça qu'on invoque rien d'autre. Le Goten et Trunks. Goten et Trunks, c'est très bon. En plus de ça, il prend le lead 200% du Majin Vegeta. Donc, en vrai, pour la collection, ok. Mais je vais pas vous mentir. Si je le drop, je saute pas au plafond. Voilà. Gogeta Air Tech. Alors Gogeta Air Tech, à la base j'étais censé me le prendre avec les pièces rouges sur cette célèbre. Si je l'avais pas, ça aurait été cool. Mais j'ai eu la malchance, ou plutôt la chance, de le dropper sur les tickets de Noël. Voilà, ils avaient donné 7 pauvres tickets et on les a droppés sur les tickets de Noël. Bon, après si j'ai des doublons, c'est la deuxième chose que je cherche. C'est la deuxième chose qui peut me faire plaisir. En 1, le Majin. Et auquel cas on arrêtera immédiatement les invocations. Voilà, dès qu'on droppe le Majin, on arrête. Et en 2, des doublons sur lui parce que ça reste une des meilleures cartes du jeu. Le Broly Hint. Malheureusement ou heureusement, je l'ai chopé 3 fois au Step Up du Nouvel An. Donc j'ai 2 doublons dessus. Donc c'est non. On n'en veut pas. J'ai 3 doublons dessus. Donc non. Je l'ai 100%. Donc non. Et j'ai 4 doublons en trop. Donc non. Bref. Et lui aussi, je l'ai à 100% avec 1 ou 2 doublons en trop. Je ne m'en rappelle plus tellement il date. Bref, vous l'aurez compris les gars, ne faites pas ça chez vous, c'est un choix du cœur. Voilà, on est là juste là pour invoquer sur mon perso préféré, pour se faire plaisir, parce que ça reste un jeu à licence, ça reste un jeu de collection. Et mine de rien, le Broly 1 de frérot, il n'est pas revenu jusqu'au nouvel an, et j'ai pas envie d'attendre 2023 pour dropper Majin Vegeta, t'as capté? Bref, 3, 2, 1, on est parti les gars. On est parti les gars, je rappelle sur les invocations de Trunks, on a eu la faille de Rosé First Multi. Bon bah y'a pas de faille de Rosé là. Voilà. Y'a pas de faille de Rosé là, t'as capté. Elle a l'air de puer la multi hein. Elle a l'air plutôt mal embarquée hein. On n'a pas l'air très bien embarqué dans cette histoire les amis hein. C'est pas très très bien embarqué notre affaire. Bon, la première multi va très vraisemblablement être éclatée au sol. Bon, t'as capté, hein, voilà, voilà. Voilà. Bon, hors détecteur, évidemment. Hein. Ah bah, ça tank. Je l'ai déjà à 100%. J'allais dire, le nail agi qui est toujours pas tombé. Mais bref, t'as capté. Le nail agi qui est toujours pas tombé. Bon, la première multi... c'était frauduleux. Voilà. Première multi frauduleuse. Bon, en vrai, t'as capté. Si, si la deuxième multi, elle n'est pas du même acabit, c'est très bien. Allez, c'est parti, deuxième multi. Ok, Gohan Piccolo. Gohan Piccolo, les gars, ça peut cacher quelque chose de lourd. Bon, après, ça peut être Vegeta Blue Hint. Hein. Ça peut être Vegeta Blue Hint, tout comme ça peut être le Majin.
pas de Walida. Et c'est Gigot peut-être, non. Bon. Suspense du coup pour la deuxième. Ah frère. Je suis pas bien les gars. En même temps, t'as vu la gueule du portail, hein. T'as vu la gueule du portail, hein. Voilà. T'as vu la gueule du portail. Enfin, je veux dire, bon. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose? Donc, c'est un doublon en trop sur le Vegeta MF. Voilà. Je crois que c'est mon premier doublon en trop sur Vegeta MF. Et c'est un doublon en trop sur Vegeta Blue Hint. Donc, deux Dokkan Fest dans la multi. Et ce sont deux doublons en trop. Et encore un doublon en trop sur Calais Endurance. Très très belle multi. Trois doublons en trop. Voilà. Deux Dokkan Fest. Deux doublons en trop. Elle est belle. Bon. En vrai, niveau Dokkan Fest, j'ai envie de te dire, on est dans les taux là, tu vois. Niveau Dokkan Fest, on est dans les taux, j'ai envie de te dire, mais bon. Voilà. C'est pas ce qu'on voulait. Juste imagine les deux Dokkan Fest, c'était Gogeta LR. Et imagine, je relance le mirroring, hein, il a bugué. Imagine juste que les deux Dokkan Fest, c'était Gogeta LR et Vegeto. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin bon, ça pique. Ça pique pour le moment. Les deux premières multi, éclatées au sol. Éclatées au sous-sol. Donc, Chala, la troisième, elle est mieux. Hein. Après, encore une fois, hein. Majin, les gars. Majin. Et aussi, Pam, ça va ou quoi? Bref, on va juste, on va tenter des petits trucs. On va tenter des petits trucs, t'as vu. On peut pas jouer son active skill, non. On va juste jouer sa spé. On va juste jouer sa spé, on peut pas jouer son active skill. Bon, comme par hasard, ça buguait pas. Et ça commence à bugger dès qu'il y a les invocations. Le Mirror Ring se met à bugger, on se demande pourquoi. Bref. On a joué sa spé. On va aller invoquer sur le portail. Non, je déconne. Vous connaissez la technique, les gars. Vous connaissez la technique de... El famoso technique de la multi d'amis. El famoso technique de la multi d'amis. Ah, bah on a eu au Walida. On a eu au Walida. On a eu au Walida, Askip. Askip, on a eu au Walida, les gars. Mais Askip, t'as vu. Enfin, bon, bref. Bon, peut-être que... Voilà. Donc là, on a chaté sur la multi d'amis. Tu connais la technique qui a marché pour certains à l'anniversaire. Bon, ça n'a pas marché pour moi. Et on est parti troisième multi, les gars. Et on s'approche dangereusement du cap des 1000 DS. Putain, ça part vite, hein. C'est lent à farmer, mais ça part très vite, hein. Ok, donc ça, c'est une multi sans Dokkan Fest. Ça, c'est une multi sans Dokkan Fest, les gars. Salut Nakian, comment ça va? Ça, c'est une multi sans Dokkan Fest. Et ouais. Et ouais. Et ouais, les gars. Enfin, même le SSR garanti, il est de qualité. Même le SSR garanti, il est de qualité. Donc là, littéralement, on vient de foutre 150 DS à la poubelle. On vient littéralement de foutre 150 DS à la poubelle, les gars. Ni plus ni moins. Et du coup, là, on va passer sous la barre des 1000 DS.
Je sens que je vais le regretter très fort. Aïe, aïe, aïe. Là, en fait, je parle plus, mais y a rien à commenter, en fait. Tu vois, ça pue la merde. Regarde. Bon doublon, ça va, tu vois. Ça reste un bon doublon. Mais ça pue, hein. Là, c'est 200 DS poubelle. Allez, cinquième multi, les gars. Je rappelle. Est-ce que je le drop en 300 DS ou moins? Putain, c'est quoi cette anime? Y a même pas d'anime. On a eu une seule anime pour le moment, c'est Gohan et Piccolo, les gars. Donc le problème, c'est que quand t'as pas d'anime, bah tu sais que la multi elle pue, hein. Merci les boules de cristal. Ouais, il y a un SSR à la fin de la multi. Incroyable, les gars. Je l'avais pas. Je l'avais pas. Je l'avais pas, les gars. Donc, bah écoutez, pourquoi pas en vrai, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on a mis du coup 300 DS, c'est ça? C'était quoi? C'était la cinquième multi? 250 DS? On a mis 250 DS pour avoir Macarena. Et Macarena. Voilà, c'est tout. Palmarès des 250 DS. Et Macarena. Voilà. Et Macarena. Donc, ouais. On va pas se mentir, c'est pas ouf, hein. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Et Macarena. On va relancer le jeu, hein. On me dit dans le chat de relancer le jeu. Bah écoutez, on va le relancer. On va le relancer, le jeu, les gars. Ah. Je vous dis la vérité, hein, je suis tendu comme un anif. Donc là, tu vois, si je drop, tu vas me voir péter mon crâne. Mais autrement, autrement, voilà. Autrement, voilà. Pendant ce temps, on me chuchote dans l'oreillette que certains ont mis 13 multi pour avoir deux fois Bardock Agi. J'espère que je ne subirai pas le même sort. Voilà. Parce que là, mine de rien, c'est 250 DS à la poubelle, hein. Très clairement. Allez, sixième multi, les gars. Sixième multi tombe. Vegeta, et hey, stop les fusion. Fais pas galérer. Mais même pas il fusionne, ce PD. Même pas il fusionne. C'est terrible, ça. Oh, c'est terrible. On a même pas d'anime. Ça va. Voilà, 300 DS. Ça, du coup, ça fait... voilà, ça fait 300 DS. Après, le portail, il est noir, les gars. Il est bresson, le portail. Mais quand même, à un moment donné... Bon. Tu peux me donner une anime. Tu peux me donner une anime, mais... Allez, je préfère avoir une anime et vibrer un petit peu. Et au final, on a Vegeta Blue Evolution, que j'ai pas d'anime. Et bah j'ai pas d'anime, quoi. Quand t'as pas d'anime, tu sais très bien que tu vas pas dropper. Je vais pas faire la technique de la multi d'ami parce que c'est gênant, elle marche jamais. Elle marche jamais sur mon compte, la technique de la multi d'ami, faut dire les termes. Regardez ce que je vais faire. Non mais n'empêche, regardez, les gars. Pour information, le seul perso de ma box dont tous les liens sont au niveau 10, c'est lui. Voilà. Je le mets tout seul. Je le mets tout seul, les gars. Non, je vais pas le mettre tout seul. Je vais pas le mettre tout seul. On va mettre lui. On va mettre lui. Et on va mettre lui. Technique de clochard.
Technique de clochard, les gars. Non, on fait d'abord la technique de clochard. Donc là, on est à 300 DS sans rien du tout. On fait d'abord la technique de clochard, d'accord. Et ensuite, on va vendre un perso. Ah, Magintech ZTUR, bien vu. Bien vu, j'ai oublié Magintech ZTUR aussi. Il est où? Il est là. Voilà, là c'est bon, j'ai mis tous les Magins du jeu. Là, ça veut dire, t'as vu le jeu, j'ai tous les Magins. Donne-moi celui qui me manque. Donne-moi celui qui me manque. Voilà. Donc, 7ème multi, les gars. 7ème multi. S-tuple. Bon, il y a Vegeta. Et Vegeta, fais pas galérer. En plus, c'est ton portail. Fusionne un peu. Ok. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Dokkan Fest. Depuis la 2ème multi, on n'avait pas eu de Dokkan Fest, les gars. Bon, ça peut être aussi bien le Majin. Ça peut être aussi bien le Majin que Vegeta Blue Evo ou Vegeta Blue Int. Mais au moins, t'as vu, on vibre. Au moins, on vibre. Allez, donne-moi le Majin. S'il te plaît, donne le Majin. Tu me donnes le Majin, on se casse. On n'en parle plus. Allez, s'il te plaît, donne le Majin. Oh, le chat, les gars, le chat. Vous le sentez ou pas, le Majin? Je lui ai fait une team, j'ai mis tous les Majin du jeu. Faut qu'il tombe, là. Faut qu'il tombe, le Majin. Putain, il se fait attendre, en plus. Hein. Ah, il se fait attendre, le Majin, là. Me dis pas que le mirroring a bugué là-dessus. Non, c'est bon. Ok, j'ai flippé. J'ai cru que t'as capté. J'ai vu cette animation. J'ai cru que... Voilà. Mais il est pas encore tombé. Il est pas encore tombé, les gars. Donne le Majin. Allez, s'il te plaît. Il y en a pas. T'as capté. Majin Vegeta, il revient méchant. Carrément, j'avais oublié, il était sur le portail SPD là. Ah, je l'avais pas à 100%, j'avais que 3 doublons. Eh, la tête de ma mère, vous allez voir. Tiens, Satan, que ça le merde, va. Voilà, Satan, que tu dégages. Espèce de lâche, va. Huitième multi. Goten et Trunks. Bon, au moins là, on a des animes. Voilà, bébé, donne-moi ça. Une chance sur 7. Dokkan Fest. Une chance sur 7, les gars. Voilà. Il y a 7 Dokkan Fest sur détecteur. Bon, il y en a que 2 qui nous intéressent. Hein. Donc, 2 chances sur 7 d'avoir soit Gogeta, soit Majin. Allez, tombe. Tombe, Majin. Vous le sentez ou pas, le Majin, les gars? Est-ce que vous le sentez là, les gars? Il va tomber. J'ai cru un switch. J'étais en pression vite fait, j'ai cru un switch, t'as vu? Il va encore se ramener en dernière position. Le SSR, enfin le Dokkan Fest là. Mais nique ta mère, nique ta grand-mère. Putain, mais j'en ai marre de lui, 2 fois de suite.
Ah, le jeu, il me kiffe, hein. Ah, putain. Ah, pour me donner Trunks Agi, là, le pire Dokkan Fest des deux dernières années, pour me le donner deux fois en 3 multi, ça y va. Mais par contre, quand il s'agit de me donner mon personnage préféré en 400 DS, ah, bah là, y'a plus personne. Bon, c'est quand même terrible. Après, c'est le jeu, les gars. Le portail, il est frauduleux. En vrai, en termes de taux de SSR, enfin, de Dokkan Fest, on est à peu près dans les taux. On braque pas. On se fait pas shaft. Je vous parle en termes de taux de SSR. Mais le portail, il est pas intéressant pour ma box. Voilà. Maintenant, le truc que je déplore, c'est que sur le portail de Trunks, je fais 3 multi, dont les deux premières, c'est même pas 10 persos. Je le drop deux fois sur des failles de Rosie. Là, regardez. C'est mon perso préféré. Et même pas, il me donne un doublon Gogeta Tech. Même pas, et même pas, il me donne un doublon Gogeta Tech. Alors, attendez. Attendez, les gars, attendez. Majin, viens, s'il te plaît. Voilà, viens. On est limité au nombre de lettres. Oh, Majin, viens. Fais pas galérer, viens. Voilà, viens. On a 400 DS, là, je crois. Ouais, c'est ça, on a 400 DS. Ah, mais c'est terrible. Le portail de Trunks, il a littéralement volé ma luck. Il est encore là, ce portail de merde. Non, il est plus là. Ce portail pourri, là. Putain, en plus, ils ont laissé les multi avec tickets. Oh, ce portail tout pourri. J'ai fait 3 multi dessus. Il a aspiré toute ma luck de l'année 2022. C'est terrible. 9ème multi, les gars. Là ça commence à devenir noir, les gars. On va pas se mentir. Ça commence à devenir très très sombre. Frère, ça sert à quoi de ramener toute ta famille? Ils sont venus à 18. Y'a pas de Walida, y'a pas de Vegeta, y'a rien. On le sait que cette multi elle va puer. On le sait d'avance. Ok, SSJ God. Je call 3 SSR hors détecteur. Voilà. Bon, c'est pas Majin, mais frérot, au moins là, t'as vu, on repart pas Fanny. Le premier doublon Gogeta LR Tech, ça fait plaisir. Putain, enfin un truc. Enfin un truc, les gars, il aura fallu mettre 450 DS pour avoir un truc. Le premier doublon Gogeta LR Tech, ça reste une des meilleures cartes du jeu. Voilà. Donc là, c'est bon. Il y a quelque chose, la luck commence à revenir. Premier doublon Gogeta LR Tech, elle est belle. Elle est belle, les gars, ça fait plaisir. Voilà. La luck commence à revenir, les gars. La luck commence à revenir. Bon, on me chuchote dans l'oreillette qu'on pourrait avoir Majin dans la même multi. Ah, il a changé, Majin. Hein. Il a changé, Majin. Hein. Alors, il est de type intelligence, mais frérot, il a changé. Hein. Il a changé, Majin. Bon, du coup, on a eu animation SSJ God. Ouais, ok, je l'ai déjà 100%. Putain, il y en a eu des SSR. Hein. Ah, il y en a eu des SSR là-dessus. Il hein. Y en a eu des SSR. On a combien d'SSR sur la multi? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en vrai, 5 SSR. J'ai déjà vu des multi à 9 SSR. Bon, après, on a le premier doublon que j'ai fait à l'AirTech. La roue tourne à tourner, comme dirait Ribéry. La roue tourne à tourner, les potes. Bon, écoutez, ça fait plaisir. Le premier doublon sur Gogeta LR Tech. Faute de Majin, on a au moins ça. On va passer en dessous des 700 DS. Donc là, ça fait 450 DS. 10ème multi, les gars. 10ème multi. 10ème multi. Bah écoutez, on espère que le Majin va enfin tomber. Là, tu vois, je sais qu'il n'y a rien. Là, on sait qu'il n'y a rien. Piccolo et Yamcha, tu veux qu'il y ait quoi? Frérot, Piccolo et Yamcha, tu veux qu'il y ait quoi sur la multi? En quelle année il y a quelque chose sur la multi quand c'est Piccolo et Yamcha? En quelle année, sur quelle planète, dans quel monde? C'est terrible, quand même. Bon, en vrai, je la skip pas vite, mais t'as capté. Donc là, on est à 10 multi. On est à 500 DS de claquer sur un portail éclaté au sol. Hein. J'ai déjà à 100%, comme vous vous en doutez bien. Mais bon, t'inquiète, il va avoir un ZTUR un jour.
On va aller mettre le doublon à Gogeta et l'Airtech. Allez hop, déjà j'ai fait un truc pour le chat. Ça sera un petit peu plus... Voilà, t'as capté, hein. Hop. Du coup... Voilà. Hein. Voilà, pour les invocations, parce que bon, à un moment donné, voilà. Voilà, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Bon, on a passé le cap des 10 multi. 10 multi pour un doublon sur Gogeta LRTech. Bon, ça pue la merde. On va pas se mentir, ça pue la merde. 11e multi. Double craquage, fais pas galérer. Et l'écran qui se fiche sur le bye bye les gars, ça c'est les DS. Bye bye les DS. Bye bye les gars, je sais pas s'il y a un bye bye les gars, mais bye bye les DS. Hein. Tant qu'il y a de la Wi-Fi, il y a de l'espoir, mais de la Wi-Fi visiblement, il y en a plus beaucoup. Hein. Il y en a plus beaucoup de la Wi-Fi visiblement. Putain, elles sont... Et j'enchaîne des multi sans animation. Dégueulasse. Ah bah on a eu un Vegeta au moins. On a eu un Vegeta. On a la moitié des invocations, les gars. Bah non, je ferai pas ça. Les gens qui me disent de réutiliser les techniques des 350 millions. Sachant que j'ai pas drop aux 350 millions, c'est pas worse. Attends, je vais récupérer les pièces. Je suis à combien de pièces, du coup? 1160. 600 DS. Plus de la moitié des invos. Oh. Eh, y a moyen, on a un ou deux Dokkan Fest. Suffit que je dise ça. Pour qu'il me donne un... T'as capté? Allez, donne-moi le Majin, s'il te plaît. J'ai pas envie de finir à 0 DS. Allez, donne le Majin. Donne le Majin. Oh, le nail. Le nail que j'avais pas, il est enfin tombé. Bon, il sert plus à grand-chose. J'ai envie de dire 2 ans après. Mais bon... Au moins, on aura eu autre chose en plus du doublon sur Gogeta LRTech. On aura eu le nail, donc on relance le jeu. On a claqué 600 DS, on a claqué plus de la moitié de nos DS, les gars. Et on est sur un shaft. Hein. Là, je vous le dis clairement, étant donné les taux, on est sur un shaft. On est sur un shaft tant en termes de nombre de Dokkan Fest qu'en termes de... Bah, en fait, on a eu tout le détecteur à l'exception du Majin hein, et du Goten et Trunks. Bah à l'exception de ces deux-là, on a eu tout le détecteur, les gars. Bon, je vais pas faire le complotiste encore une fois, mais vous avez capté. Vous avez capté. J'ai envie de vous dire, sur FIFA, ils disaient, y a pas de script, mais au final, il y en a bien, tu vois. Donc, bon. Allez, on entame la deuxième moitié de nos invocations et on va aller le chercher, les gars. S'il faut finir à 0 DS, on finira à 0 DS. On finira à 0 DS, 13e multi, les gars. 13e multi. Ah, j'ai pas eu Broly non plus sur le détecteur. Du coup, il me manque deux persos sur le détecteur, c'est Broly et Majin. Bon, s'il y en a un des deux qui doit tomber, évidemment, on espère que ce sera Majin.
Mais là, j'y crois plus trop, on va pas se mentir. Là, honnêtement, j'y crois plus trop. Peut-être que le jeu, il a compris que, je sais pas, il a compris que je voulais Majin. Du coup, il me le donnera pas. Multi et c'est la 14e multi maintenant, donc ça va faire 700 DS. 700 DS, les gars. Ok, il y a Vegeta. Quoi, t'as combien? Il fusionne pas. Et voilà, il fusionne pas. C'était sûr. C'était sûr. Ouais, c'est super. Bye bye, les gars. Bye bye, les DS. Ouais, enfin, ça commence par un SSR éclaté en plus. White, t'es bien gentil de donner des conseils, mais frérot, t'es H24 à 0 DS. Je pense que t'es absolument pas en mesure de donner des conseils, frérot. Le prends pas mal, mais voilà. Parce que s'il y a un mec qui pack pas sur ce chat, c'est bien toi. Bon. On est donc à 700 DS sans le Majin. Je rappelle, hein, statistiquement, en moyenne, c'est 800 DS pour l'avoir. Hein. Là c'est la 15e. Là c'est la 15e. Là c'est la 15e, les potes. Mais là on enchaîne. On a enchaîné 4 ou 5 4 ou 5 multi sans même une animation ni un Dokkan Fest, tu vois. C'est du manque de respect, ça, ce genre d'invocation là. Et ce Trunks là, je l'ai eu sur l'antépé 8e multi. C'est terrible. Bon, je vais me rename parce que ça marche pas visiblement de se rename Majin Vien. Ça ne marche pas de se rename Majin Vien, donc voilà. Bon, il y a Mickaël qui accepte de se sacrifier. Il y a Mickaël qui accepte de sacrifier, de prendre un 300 secondes. Voilà, merci. Bon, ça c'est sa spé en nom d'Okan, hein. En Dokkan, c'est quasiment la même, frère. En Dokkan, c'est quasi la même, si ce n'est la même. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait là. Ils t'ont sorti deux fois la même spé. Mais bref, c'est la rue, t'as capté. Putain, c'est terrible. Encore une multi sans Dokkan Fest. Encore une multi sans Dokkan Fest, c'est terrible. C'est terrible, les amis. Majin Vegeta surcoté. Non, mais là, je sais que je l'aurai pas. Là, le jeu, il a décidé que je l'aurai pas. Ça me fait penser à FIFA un peu. Ça me fait penser un petit peu à FIFA. On va pas se mentir. On va faire une invocation sur le portail enfant. Ben, ça fait 4 ou 5 multis de 2017 qu'on enchaîne. Hein. Ah ouais, les multis, c'est pire que terrifiant là. C'est pire que terrifiant, les multis là.
Alors, est-ce que ce sera Bardock? Est-ce que ce sera Vegeta MF? Est-ce que ce sera Vegeta Blue Evolution? Est-ce que ce sera Broly Intelligence? De qui va-t-on avoir un doublon en trop, les amis? Eh, je sais que c'est pas le Majin. Eh, voilà, Vegeta MF. En plus de ça, il me met un switch pour Vegeta MF, tu sais. Du coup, c'est le deuxième doublon en trop. Incroyable. En plus, faut en parler de l'artwork de Vegeta MF, hein. On dirait un artwork de SR, frère. Putain, lui, j'avais oublié son existence. J'avais oublié son existence au Freezer Endurance, carrément. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc marrant. Enfin, marrant. Même pas marrant, en fait. Je vais lui faire croire que je veux le Goten et Trunks. Là, tu vois, en vrai, il m'a même pas donné Goten et Trunks non plus, hein. Oh yes! Oui, putain! Oui, putain, c'est pas trop tôt. Oh putain, c'est pas trop tôt. Oh, c'est pas trop tôt. Oh, ça y est, frère. Ça y est, c'est bon, c'est pas trop tôt. Franchement, et ça reste un shaft. Fuji, je sais ce que tu vas dire, c'est un shaft, hein. Je me suis fait shaft, hein. Là, les gars, voilà. Non, mais je suis soulagé, les gars. Hein. Je suis pas content, en fait. Hein. Je suis pas spécialement content. Ah non, les gars. J'ai perdu le compte des DS. J'ai carrément perdu le compte des DS. Du coup, j'imagine qu'il est là, le Vegeta. Voilà, il est là. Il est là le beau gosse. Il est là les amis. Voilà. J'ai envie de dire enfin. J'ai envie de dire enfin, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, putain. On a mis 900 DS. En vrai, en moyenne, 800 DS, t'as tout le détecteur, tu vois. Là, pour le coup, on l'a eu avant Broly Hunt. Mais là, on a eu tout le détecteur à part Broly Hunt. Bon, on me chuchote dans l'oreillette que je pourrais avoir un doublon sur cette multi-là. Bon, on va pas se mentir, j'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen. Non, Ouzef du Trunks, les gars. Il est en hors détecteur. On pourra le choper plus tard. Et en plus de ça, la catégorie est vaste quand même. La catégorie est vaste. Du coup, on aura mis combien de DS? Évidemment, je lui mets le cadenas. Et on aura mis 900 DS. 900 DS, les gars, pour l'avoir. Voilà. 900 DS. Bon, bah écoutez, on va mettre un terme à cette vidéo qui aura été bah, assez longue. En même temps, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit qu'on irait le chercher, hein, c'est mon perso préféré. Donc comme d'habitude, ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, lien en description, à me suivre sur Twitch, lien en description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo.